personne en fait. C'est ça l'église. On va refaire un tour. Thank you for your service, Rangers. I heard Mr. Halpa. I could use a good cognac right now. What brings you to Broadmoor? Ah. Oh, thank God. You're the Westerners, aren't you? Ouais. The Rangers? Ça a besoin d'aide. My husband, my hearty, was in Aspen when Vic Buchanan raided the town. Vic took him hostage, but there's been no word for weeks. I know it's frightful, wicked to hope for the safety of one soul over many. But I beg you, find him. Save him if you can. No need to beg, Mrs. Knox. We have business of our own with Vic Buchanan. If your husband's alive, we'll find him. I didn't see you there, Lucia. You're a good girl. Always have been. I'm dreadful sorry for your loss. We have money, Rangers. Even though we don't live fancy like some families do, if you bring my Hardy home safe, we'll donate all we can to your cause. De l'argent, ouais, moi ça me va. T'écris à votre mari. He's a little on the portly side. Always well dressed. But he likes playing cowboy out on the ranch. Kindest man in the 100 families. That's why I married him. Yes, but we're homebodies, and neither of us is very political. We own bison ranches out east, supply Colorado Springs with half its meat. Vous trouvez un vieux journal dans votre quartier général, il parle de la famille Knox, ça vous intéresse. Let me see who... Allie Blue? Aunt Allie? My goodness, of course! I'd love to read this! Blue is my maiden name. Back in the old days, the Blues and the Knoxes hated each other. Old Aunt Allie almost shot me when I told her I was gonna marry Hardy. Always wanted to know what things were like when she was $21, ma putain. Oh, thank you, Rangers. Let me give you something for this. Ah, pour les livres. D'accord. Vous en trouvez un poulet cybernétique dans le placard de l'église, ça vous dit quelque chose? You mean he's real? I've seen him poking around the church at night, but I wasn't sure if my mind was playing tricks on me. Didn't dare get too close. I left him some food, just in case. Corn and scrap metal. He seemed like such a good, strong chicken. I know you well. Thank you, Rangers. C'est la nourriture qui était dans le coffre. J'imagine. Bon. Oh. Ah, you're the Rangers, yes? I'm most pleased to see you. I'm Gideon Reyes. J'ai déjà entendu son nom. Hein. Uncle Gideon. Ah bah oui. You heard about my family? I did, Sobrina. And I'm so sorry. You know you always have a place in my house. For as long as you need. I know. And I am grateful. But I have a place with these Rangers now. We mean to see justice done for my family. Is that so, Rangers? C'est exact. She was always an impressive girl. My sister would be proud of her. Now, I expect you're here about my call. There is a situation in Colorado Springs that requires a delicate touch. But first, you need to know the truth about this city. Colorado Springs isn't as prosperous as it pretends. We can barely feed our existing population, and now smugglers are bringing refugees into the city every day. If we had enough food to support them, we would welcome them. I've asked the Patriarch to chase off these smugglers, but
He says the crisis with the Dorsey. It seems he'd rather just have Sheriff Daisy keep putting refugees in the pillories, rather than stopping the tide at its source. Infuriating. And that is why I've called you. D'où viennent les réfugiés? The Plains, mostly. After the Patriarch defeated the Eastern gangs, les gangs sont de retour et tous les colons partent se réfugier au col des Sprint. Okay. On dirait que le problème vient de la politique du patriarche. Pourquoi les réfugiés devraient-ils partir? Je demande de traiter les symptômes de cause. C'est parce que les symptômes sont le point d'avoir raison de nous. Beaucoup ont rêvé, mais ça c'est impossible. Nous devons traiter les possibles. Discouraging smugglers from bringing refugees to the city. Vous suggérez de le changement de régime. Don't put words in my mouth, rien Rangers. Du tout, je mets simplement le fait I'm en évidence. Sick, but okay. Let's save any talk of politics until after this refugee crisis is mais gardons la politique plus tard, en concentrant d'abord sur la crise des réfugiés. Or not? Cette mission, patriarche, pasteur. Ok, vous espérez que vous êtes par charité. Faites attention sur le garage du QG des Rangers. Sans monocle. $100 I do a lot of business with un mécanicien pour le garage du QG des Rangers. $100 et un monocle. Ah, on n'a pas vraiment un mécanicien en fait. D'accord, je comprends. Ok. Thank you. I'm told the smugglers are operating out of the bazaar, a trader's market east of Colorado Springs. When you find them, ça marche. Do what you can. Can thank you for agreeing goodbye. Désolé, j'active un peu. Ouais, j'active un peu les conversations des fois parce que putain, ça parle. Ça parle beaucoup. Donc on est de retour à Colorado Springs. C'est quoi la serre? Je vois ça apparaît quand je fais. Genre la serre c'est juste ça. Et ouais, mais on peut y accéder ou pas? Oui, elle est là, je la vois. Non, je vais pas y accéder. Non, c'est bon, on se casse. Il a dit à l'est de Colorado Springs ou à l'ouest? Je sais plus, on va voir. C'est marrant parce que on va quasiment jamais sur la carte du monde en fait, ça me va abuser. On fait tout à Colorado Springs, il y a plein de trucs à faire, ça va faire au moins 10 heures qu'on est là. C'est complètement abusé quoi. Alors. Jusqu'au bizarre et aller parler aux passeurs. Alors. Crée que la raison est plus accueillie davantage de réfugiés, nous a demandé de nous rendre au bizarre, à marcher à l'est, et de trouver un moyen d'arrêter les trafiquants. À l'est, bizarre, ça s'appelle. C'est quoi le bizarre? C'est peut-être en plein milieu du coup? Un des magasins là? Enfin à l'est. À l'est c'est à droite. Il est où le nord? Transition de scène, docteur, marchand, du groupe local, collier. C'est à l'est, c'est sur la droite du coup. Le bizarre ça s'appelle. Ah, peut-être Mama? Ram. Non. Y'all seem nice. If you got to Mama, talk to her. She always knows what to do. Réfugié. You want to talk to Mama? She's the one in charge. Qu'est-ce que c'est que le bizarre? Agent Marshall, citoyen. Ou alors c'est sur la carte du monde? Peut-être. J'attendrai quand même.
Ça, c'est les appartements de luxe, là. Je sais pas. Chimie Bob. On fait le tour. Hein. Ça, c'est où c'est la réfugiée tante. Ali. Come on, answer the question. Alright, alright. Mom? Oh, I. Sorry. Never mind. Limite, on peut vous parler? Why? What do you want? Elle a inventé votre mère ou elle? Ouais. I don't know. We were heading to Colorado Springs with a lot of other folks when we got separated. I hurried here as quick as I could after, but I ain't found her anywhere. I keep hoping. There was this smiling lady. She said she had some food, and I could take some back to my mom if I came with her. And next thing I know, she was gonna sell me. She put me in a cage. Wow. One of her men took me out of the cage to. I kicked him as hard as I could and ran. They didn't find me in the dark. And then I saw some refugees and tagged along. Stayed with them till I got here. No, please, I just need you to go away. Please. Bye. Oh, you again. What do you want? Bon, peut pas l'aider. Bye. You read the last issue of the Colorado Patriot? Oh, we have a funny cartoon in there. When Jeffy ripped the robo arm off that scar collector. Cracked up. I was gonna ask about the articles. On va aller au magasin, là. Atelier, pardon. On va voir s'il y a autre chose. Après, je sais pas où aller, là. À l'est de Colorado Springs. Genre sur la map monde. Parce que là, là, il y a que dalle, là. Attends, est-ce qu'il y a des gens dans le, dans ce lieu maintenant? Non, il n'y a rien. Vu qu'on est là, hein, on regarde. Non. Ça marche. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ah, on peut peut-être demander à des gens, à Daisy et tout ça. What brings you indeed? Alright, alright. Burn. Gone faster. Nice to see the city back to life. Torres, peut-être. What can I do for you, Rangers? Dire sur les marches. It's on the back of the box. We keep the peace here in Colorado Springs. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. What do you need, Rangers? Quelques questions à vous poser. Gars nommé Gary Wolf est passé dans notre QG. Il affirme que vous avez menacé de lui tirer dessus. Damn right I did. Crazy bastard was firing live rounds in the middle of the street. Put some bullet holes in the side of the museum. He tells me he's hunting some kind of fancy robot, and he demands that I stay out of his way. Bet you can guess how that went over. Nobody shoots up these streets. Not without my say-so, anyway. Pouvez-vous dire plus sur les marcheurs, raconter... peu votre histoire, vas-y. Oh, I've been here a long time, Rangers. Started out as the Patriarch's bodyguard about 30 years after I helped him whoop the Plains gang. He put me in charge of the marshals. Ok, c'est super intéressant. Roger that. Ça marche. On n'avance pas du tout. Ok, cool, merci. Hey, are you
You around here too? Yeah. I was just finishing up training when the Dorseys came through. Didn't even know what to do. Yeah, they just yanked me off the street, put a badge on my chest and a gun in my hand. Wow, cool. They must be desperate for bodies. But no offense. None taken. You read the last issue of the Colorado Patriot? Oh, real funny cartoon. Ça m'embête. When Jeffy ripped the robo arm off that scar collector. Ça m'embête. I was gonna ask about the articles, but Colorado, Jardin des Dieux, on était allé, y'a personne. Enfin, on a tué tout le monde. Boîte de nuit, ça sert à rien d'y retourner. L'appartement, y'a l'autre fou. QG des Rangers. Ah, on peut aller au QG des Rangers à la limite. On est juste à côté. On va parler à Wolf. C'est un peu ça, des fois. Le problème de faire des vidéos sur un Wasteland, c'est que ça, des fois ça prend du temps pour avancer. Donc bon, faudrait tout éditer pour que ça pour toujours qu'on aille toujours vers l'avant, mais bon, enfin, c'est chiant quoi. Moi j'aime bien faire ça tranquillement. Alors, il va pas être content. C'est pas notre problème, je t'aime pas de toute façon. Alors oui, on l'a combattu, mais il a réussi à s'enfuir. Got away. It was one synth. Did you even try to kill it? You realize when Cochise wakes up again and wipes out the last of humanity, it'll be your fault. Pack up, squad. Seems like the Colorado Rangers are just as pussy as the ones in AZ. Race traitors. Don't worry. We're leaving. Cool, parfait. Je vous aime pas. Rangers. Welcome back, Team November. Keeping the refugees here is just temporary, right? On peut aller voir les réfugiés vite fait, on peut voir un peu ce qu'il y a en plus. Par contre, la montée de niveau, c'est bien. Alors. Thunder, un peu plus de vie. Compétences. Crochetage. Et avantage, on va lui mettre. Armure 2. Ah, très bien. Elle aussi, elle vient monter de nouveau. Attribut, alors. Coordination, parce qu'elle a quasiment aucun point. C'est chiant pour jouer, la jouer. Marchandage. Ah, et c'est très bien. We're all grateful that you took us in, Rangers. Ok. Can we help you with something? Non, pas vraiment. Careful out there. It's an uncaring world. Réfugié, réfugié. Ah oui, il faut ramener le chicken aussi. Letting a rogue synth wander free seems a little bit outside the law to me. I'd rather it wasn't cost. Good luck out there. Enfin, ce que tu dis, ce que je fais, honnêtement, hein, c'est pas vraiment mon problème des fois. J'ai pas vraiment besoin de te donner les détails de ce que je fais. Je vais voir si on peut toujours pas ouvrir ça, mais normalement non. Projetage. Non, moi je fais ça. Ouais, non. Je connais pas le code. On va sortir sur la carte du monde. Et on va se balader. Est-ce qu'on a gagné des trucs? Je me rappelle plus. Klaxon. Ah oui, 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 on a gagné des trucs. Ouais, on va mettre quelque chose à la police. On a ça. Oh, c'est cool, ça fait de la lumière. Cool, on va le garder, ça. Et après, normalement, on n'a rien d'autre. Hein. Ouais. Ah, c'est sympa, ça. Ah, elle est là, je dis. Ok. Wonder how the Hoons are doing.
Folks like them remind me of my family back home. Later. Voiture, André, carte du monde, centre-ville, carte du monde. On va voir. Parce que s'il faut, c'est à l'extérieur. Mais je suis pas complètement sûr. Si jamais je trouve pas, je ferai une pause. On verra. Il y a des gens qui parlent russe. Le nord c'est là, donc ce sera à l'est. Donc à droite. Là je crois qu'il y a des radiations. Ouais. Oh, putain, ça nous a touché quoi. Trouver quelqu'un pour travailler sur le garage. Alerte radioactive. Ça c'est les mecs qu'on était allés voir. La ferme. On s'est pris des dégâts. Tout le monde s'est pris au moins quelques dégâts. Fait chier. Ça, c'est chiant, ça. Le nuage vert, en fait, est très léger. Je le vois pas, des fois. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Eux, normalement, ils ont rien de nouveau à faire. Des bunkers fermés. Ferme. Quoi, ça tombe. Ah, il y a ton arme que j'aime bien. J'ai affaire, il est tombé ici sur la caractère. Il a tout pris, alors j'ai choisi le néant qui est enterré. Sad story behind that grave, Rangers. About 40 years ago, when my folks were still living, a beautiful lady came up this way. Elle est venue chez nous avant de repartir seule. We warned her not to go by herself. On a été étonnés, nous l'avons suivie, nous avons retrouvé que cette clairière était pendue à un arbre. She left a note tied to her body. Quelques affaires personnelles. Not long after that, some official-looking folks from the city came around asking about the lady. We told them what happened and showed them her grave. Nous remerciés sans jamais revenir. They looked too pleased, but they thanked us and never came back. Ça marche. C'est la tombe qu'on avait vue. Ah, casier. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, mais ils s'en foutent. Voilà, très bien. Nouvelle recette. Oh! D'accord, ça marche, ça, okay, ça marche. Allez, on se casse. On se casse. On va continuer sur la droite. Voir ce que, où c'est que ça nous mène vers l'est, quoi. En théorie. Denver. Attends, c'est quoi qu'il y a à droite qu'on voit? Aspen, ok. Je sais pas, on va se balader un peu, on va voir. Ah oui, ça c'est des magasins. Bébé Gun. Hey, it's the Rangers again. Always good to see you guys. Got some prime civil forfeiture in the back if you want to look. Quand j'avais testé, enfin quand j'avais montré ça à Shayna, je l'avais trouvé ce magasin. Alors confiscation vie civile, ça veut dire que vous avez pris. Ah ouais non, ça c'est les mêmes parlottes. Et elle vend des trucs. Ouais, elle vend des trucs quoi. Rien de très très intéressant. Et elle retire les radiations. C'est sympa ça. Bon, c'est cher par contre. Donc, bon. Voilà. Et le magasin après disparaît. Alors, on fait voir un peu là. «
parages. Tandis que nous faisons des ravins boisés, quelque chose pousse à ralentir dans le Kodiak. Un mouvement, un bruit, un éclair lumineux, c'est peut-être qu'une impression, mais la nuit semble plus noire. Avancez prudemment. La première observe furtivement les environs, il fait de plus en plus sombre. Après un virage serré, votre phare éclaire deux grandes structures en métal au bord de la route. Des structures, non, des robots, aux autres apparaissent derrière le Kodiak. Leur cerveau moteur siffle tandis qu'ils pointent leurs armes vers vous. Une voix amplifiée vous ordonne de sortir du véhicule, mais pas vraiment de choix. Merde, on s'est fait embusquer par des robots. Eh ben voilà, on va montrer un peu comment ça se passe. S'il faut, c'est des trucs super haut niveau qui vont nous défoncer la gueule. C'est possible. Oh. All right. Light them up. Wow. And I thought Colorado trash was sad. Wow, t'as la classe, toi. You made a bad deal, Rangers. My father's using you for cannon fodder. Go back to Arizona before you take a bullet for him. The graves are cold up here. And on your way home, tell him to hire a better class of spy. Mais t'es trop classe, toi. Ouais, mais on va pas pouvoir la récupérer. Elle a l'air un peu vénère. Vous avez cru, on descendra sur le champ. Eh ben, on voit maintenant pourquoi votre père nous a dit de vous ramener. Les mains en l'air. Lol. Très bien, on transmettra le message. Spoken like a true lapdog. Elle est trop classe. Je la trouve trop classe. Pourquoi est-ce que vous voulez renverser votre père? D'accord, on a fini. Si vous pouvez partir. On ne peut pas vous laisser partir. Vous êtes en état d'arrestation. Ouais, mais non, mais non. Mais fin, t'as vu la gueule des robots et tout? Because he's taking too long to die of natural causes. Colorado will die before he does if someone with some vision doesn't take control ASAP. And that's not either of my brothers. Putain, t'as quoi sur le coup? T'as une augmentation robot? Are you blind? He's letting a crazy cowboy cult control our oil production. Our main trading hub is run by a bunch of idiots in monster masks. All that should have been state-run ages ago. Why am I arguing policy with a bunch of gun jockeys? The point is, my father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. Okay. Ouais, on va lui demander pour ses frères. I can see you haven't met him. Vic's a depraved child. And Val's a brain without a spine. I wouldn't trust either one to run a mess tent, let alone a country. To think of all the years my father wasted grooming them for glory when I was right there. God. Putain, t'as l'air vénère par contre quand même. Oh merde. The sooner he dies, the better for Colorado. Faut pas que je touche. He's the perfect puppet for some usurper like the Gippers to put on my father's throne and claim he's the legitimate heir. Of course, killing him would piss Daddy off. And you ass-kissers wouldn't want that. Might be the only way to get him out of Denver, though. Those Gippers got their hooks in him deep. Faut faire attention, parce que quand c'est des personnages comme ça, la conversation, elle s'enchaîne, en fait, vu que ça parle. Mais après, si c'est d'autres conversations, il faut appuyer, en fait. Donc là, bah, j'ai merdé. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur Victory? Shoot him before he talks. Your sanity will thank you, and you'll be doing Colorado a favor. Not that it'll be easy getting to him. He's got his followers hooked on some kind of hypno-happy gas. They'll do anything for him, including die. T'as l'air vraiment sympa. Pauvre espère dans ta arrestation. Vivante, vous êtes trop dangereuse, on va vous éliminer. Ouais, non, mais... Alors, on a fini, vous pouvez partir. Ha! Thank you for your permission! Squad, roll out. Allez, à plus tard. Non mais je combats pas ça. Hein. Ça a pas la tête. Ça, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt du tout. Mr. Fun Times here, with another strangling. On peut avancer par contre. This one about an astute student who learned how to love to kill. Radiation. Once there was a little who loved having pets? Oh yes, cats, dogs, squirrels. Bâtiment abandonné.
cabane chasseur, ça ne dérange pas, n'est-ce pas? Passer la nuit pour récupérer, utiliser l'abri pour cacher le Kodiak, pour faire quelques réparations. Fouiller l'endroit. Pour en découvrir si quelqu'un a laissé des choses intéressantes. Crochetage, trouver une réserve protégée par un cadenas. Vas-y. Cool. Ça, c'est bien ça, ces trucs aléatoires. Abri naturel. Mais ça servir de repère d'un gros animal, mais vous ne savez pas si c'est récent. Passer la nuit pour récupérer, cacher, fouiller la zone. Elle pourrait toujours être dans les parages. Des animaux sont passés par ici récemment. Surveiller tout rôle si les animaux reviennent, conditions de survie. Regardez si les animaux ont laissé de nourriture par ici. Surveiller à tour de rôle si les animaux reviennent. Les animaux ne sont pas revenus, tout le monde a passé une bonne nuit de repos ou santé en pleine forme. Cool. Ah, on est full vie. C'est vachement sympa ce système de petits événements comme ça qu'on trouve. Vraiment, vraiment cool. Ah, et des radiations. Là aussi. Là aussi. Ça fout un peu les boules là. Non mais, lâche-moi, voilà. C'est le truc de Donjons et Dragons. Périphérie de Denver. Embuscade. Des rochers qui s'écroulent, fait trembler le sol, puis un autre et encore un autre. Vous êtes entouré par des grenouilles géantes. Chance infime de s'échapper. Charmant d'utiliser vos connaissances sur les animaux pour obtenir l'avantage sur les grenouilles. Alors, vous savez que les grenouilles ont l'ouïe sensible, vous appuyez donc sur le klaxon du Kodiak et activez la sirène. Les grenouilles se recrevillent et s'éloignent, ce qui lui donne l'occasion d'attaquer en premier. Cool! Des grenouilles géantes, on va voir la gueule que ça. Et du coup, là, on est peut-être pas en combat directement. Wow, c'est quoi ces trucs? Ah, si, on a. On est en combat, mais on commence. Ah, 784. Il y en a combien, quoi? On en a 7. Ah, est-ce qu'on peut les écraser? Ah, on peut les écraser avec le... Avec le... La voiture. Brom, brom. Bon, le problème, c'est que ça fait des dégâts. Mais au moins, on les a écrasés. Oh, mais t'as pris un niveau, toi? Je sais pas. On va faire un périmètre de sécurité. J'ai pas de balles! Oh mais c'est du calibre 50 qu'elle tire avec ça, j'avais pas vu. Aïe 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 aïe. Ah, on va avoir un problème. Je sais pas ce qu'ils font les... comment ça se... Oh, elle est mal placée.
fait voir un peu. Ok, ça peut toucher à distance. Ah, évidemment, c'est elle qui prend super cher, c'est bien. Détruire le truc là, non? Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as? ...4 PA. D'accord. What the fuck? Pas qu'elle va survivre. Elle a loupé à 95%, quoi, c'est ouf. Alors, on a le corps. Et oui, ça fait des effets différents aussi par rapport au type d'animaux qu'on attaque. Les effets supplémentaires là. Par exemple, c'est 35% de dégâts bonus, réduit l'armure de cible 50-64%. La tête, 50% d'infliger 100% de dégâts bonus. Ok. Les jambes, infliger hémorragie à la cible, réduit la vitesse de combat de la cible. Ah, on lui a pas. Ah, on l'a pas mis le saignement. Ça se fait quoi, tenter à tout le monde? Quel sens? Ah, on a fait du crit. Mal placé quoi. 95%. Critique inouï. Cool. Pas mal. On va la brûler. Très bien. C'est insuffisant, ça marche. On va juste retirer au lance-lame et on va la mettre en défense. C'est bien comme on fait quasiment pas de dégâts, quoi, c'est ouf. Alors, tir risqué et tenté autour tout. Ok. Tir risqué, 61% de chance de toucher, mais il y a beaucoup de critiques. Ok, 292. Après, on pourrait la charmer. CPA. J'ai envie de dire, on pourrait charmer ça. Elle est abîmée, on pourrait charmer celle-là, comme ça je crois que ça nous protégerait. Ouais. Quoi? Bon bah oui, bah du coup oui, on peut plus, oui merci. Merde, voilà. Et quelques.
Bon, on va essayer de charmer celle-là alors. Putain, il s'énerve le poulet mécanique là. Perso des prédateurs requiert charme d'animal niveau 3. Très bien. Soigner. Très bien. Ah, c'est 9 PA. J'avoue que lui, le fait d'avoir la fatigue, là, au final... Ouais, on aurait pu la sauver, par exemple, avec un PA supplémentaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle peut le tuer. Très bien. Elle prend 3 PA en plus. Ça va brûler tout le monde en fait. Waouh, bon critique. Ah ouais, le calibre 50, ça rigole pas. Hein. Elle, normalement, devrait ne... le combat devrait s'arrêter si on tue l'autre. Je crois bien. C'est con parce qu'elle était trop loin pour attaquer. Que ça fait. Voilà. Du coup, elle part. Et elle nous laisse du butin aussi. Alors après, je crois qu'on perd du coup l'expérience. Ah, ils sont radioactifs. Je crois qu'on perd l'expérience des monstres qui partent, mais je suis pas complètement sûr en plus. Copine toxique. Et on a ça. Ah, c'est pas mal. J'avoue que le camion a pris cher. Est-ce qu'on peut le réparer? Genre d'ici. Genre toi. Toi c'était quoi le truc de réparation? Wow, ok. Putain, cool. Bah voilà, maintenant on sait comment ça fonctionne et c'est super, il y en a beaucoup. Ça remet quasiment full vie. Enfin, ça met full vie, quoi. Alors. Il faudrait un peu plus de force. Ah, quoique, honnêtement.
On va mettre ça, coordination. Comme ça, on augmentera les points d'AP pour qu'ils bougent plus facilement. Commandement, arme automatique. Chez les ennemis, ça veut dire réduire leur précision de 20%. Ouais, non, c'est pas bon. Par contre, de la vie en plus. Donc les fusils d'assaut, ça, ils sont pas rangés quoi, à chaque fois, ça me rend fou. Pistolet mitrailleur niveau 7. Voilà. Ok. Alors elle, on a un problème. C'est du calibre 50 qu'elle tire. Donc le mystère. Ah, ça fait cher. Bon bah du coup, vu que c'est méga cher, on va lui remettre le Bram. Bren. Du 762 et on en a plein en réserve. 762, c'est ça? Ouais. Ouais, on va pas pouvoir utiliser le calibre 50 pour le moment. Alors, dégâts critiques. Gagner plus 6 points de compétence. Après, en chance, ça fait quoi en chance? Pénétration. Et c'est, précision. Ouais, on va faire ça. Explosif, du coup, ouais, peut-être qu'elle, il faudrait lui mettre de l'explosif. Parce que... Bon, on va le garder. Bon, on va garder les points. Et là, elle a un avantage. Enfin, plus le cas, le fusil de précision est beaucoup plus. Ce sont des effets critiques. J'ai pas grand chose d'intéressant. Réduit l'esquive des ennemis. Ça, les frappes chirurgicales, les fusils de précision ont beaucoup plus de chances d'infliger des effets critiques. Mais c'est quoi les frappes chirurgicales? Ah si, quand c'est l'habilité spéciale. D'accord, ok, oui on prend. Truc d'un télo. Gamma conscient max. Non, moi c'est ça. Martel déployé gagne 25% de constitution et inflige 25% de dégâts. Robot piraté inflige 15% de dégâts d'énergie à la constitution. Des ennemis se trouvent au rayon de 5 mètres ou quoi? Ah non, ok, j'ai compris. Les héros que vous avez piratés vont maintenant se faire attaquer par d'autres ennemis. Ça, ouais, ciblage contourné, ça peut être vachement bien. Bon, voilà. On avance. Y a elle qui a un peu souffert, mais on devrait... ça va. Il y a l'autre qui est tombé aussi. Maintenant, il faudrait utiliser un kit de suture, là, ou je sais pas quoi. Mais bon, on verra ça après. Bon, bah voilà, c'est bien passé. Non, non, non. On n'était pas dans les radiations. Putain, l'autre, elle est morte, quoi. From that big old Colorado welcome the Dorseys gave you? Vous reçoit, qui êtes-vous? Fréquence Ranger. C'est quoi ce nom de code Dead Red? Switch over to 27.065 MHz. All will be revealed.
Allô? Howdy, Rangers. Sorry about the clowning. Have to keep a low profile these days. This is your old pal Angie, otherwise known as Ranger Colonel Angela Death. Mm-hmm. Qui ça? Huh. Forgotten already. Damn. Well, I served under General Vargas back when we were fighting that creep, Matthias the Messiah. Got sent out here to Colorado to reconnoiter a while back, and well, things took an unexpected turn. Comment les Rangers sont... I'll bet. We came out here for the same reason as you. Because Command was hoping they could make an alliance with the Patriarch and get some, foreign aid. Trouble was, the more we snooped around, the more we realized that good old Pappy Buchanan was a bloody-handed dictator that the Rangers shouldn't have nothing to do with. Unfortunately, Command didn't want to hear it. Told us they were going to make the deal anyway. Too desperate to be particular. We took a vote, the squad and me. And decided that just wasn't the Ranger way. Instead, we made a pact to take Buchanan down and help Colorado become the home of freedom that Arizona could have been if the Rangers hadn't lost the Citadel to Matthias. Super intéressant. Alors, pourquoi nous raconter tout ça? Why do you think? We want you on our side, but not without seeing for yourself that Buchanan's a conniving shitbag. That's why I was calling. There's a man you should talk to, locked up in an old bunker in Broadmoor Heights and guarded by mercs. So you may have to do a little shooting to get to him. But when you do, ask him about his beefs with the Patriarch. It'll open your eyes. His beef is ironclad Cordite, a warlord of the Eastern Plains, and one goddamn tough son of a bitch. As to how you find him, I'm a little shaky on the details. But I'm told there's a hidden hatch on some monument at Buchanan Park in Broadmoor Heights. Okay. And listen, when you do find him, bust him out of there and do what you can to keep him alive. He could help you with liberty later. Also, if you need more firepower, he's got a shotgun for a left arm. Sans déconner. On s'en occupe pas qu'on aura terminé ce qu'on est en train de faire. Gracias, compadres, and good luck. I'll be in touch. Ouais, j'aime les tacos aussi. Dead red, over and out. Bon, ben, c'est pas mal. On a un peu appris des choses. Trop tard. J'ai merdé. On va rentrer au QG. Spring. On va rentrer au QG en espérant ne pas crever sur la route. This message is from the North American Air Defense Command. Lâche-moi. Vous avez vu les animaux, c'est marrant hein, de les écraser avec la voiture. Bon, après, ça lui fait énormément de dégâts. Donc, ça reste très dangereux pour le Kodiak lui-même, mais c'est cool. Honnêtement, c'est fun qu'ils aient pensé à ça. Je suis vraiment impressionné qu'ils aient pensé en ça, en fait. C'est à double tranchant, quoi. Puis nous, on a un mécano qui, quand il répare, il répare. C'est pas de la merde. Bon, ben voilà. Ah, les trucs aléatoires, les combats aléatoires, c'est pas souvent. Je m'en fous. QG. On va les soigner. On a eu un peu d'expérience et tout ça. On a récupéré des trucs. Je suis assez content de ma sortie. On a appris un peu de pas mal de choses. On a rencontré Liberty aussi. Vraiment cool. Ah ouais, bouge pas. Hein. Et il y a notre chicken aussi. Ok,
that synth you let go was harmless. Any humans it hurts from now on are on you. Non mais tout le monde sait qu'on a laissé partir. That's what you pay me for. Have a seat. Ah ben oui, mais c'est ces connards en fait de Wolf là qui ont dit ça à tout le monde sûrement. I don't mind not having to clean. Ah, d'accord. Il nous fait passer pour des connards en fait. Sympa. Oh putain. Ouais, ferme ta bouche. Putain, mais les enfoirés, quoi. Ils nous font passer pour des cons, en plus. Voilà. Maintenant, il y a 5 poulets. Poulet ou 4? Je sais pas, mais on l'a donné en tout cas. Ouais. Il y a un renard. Il y a un cerf aussi. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais une pause ou je continue, moi? Oula, non, je fais pas le tour. Colorado. Non, on va aller au centre-ville. Les armes, elles sont chargées. Ouais, il y a le lance-flamme à charger. Okay, tout est bon. Ouais, je pense qu'on va rentrer. On va voir si on peut trouver le mec. Je dirais. Trouver le mec qui est sous... Apparemment, qui est dans la prison secrète. Je crois qu'il n'y a que ça à faire d'intéressant. Enfin, qu'on peut faire. Surtout, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on peut faire. Après, on peut toujours se balader à l'extérieur et tout. Hein. Mais on a des missions à faire ici. Alors, par contre, c'était ouf. Bro. Machin, Hills. Bro machin. Comment ça s'appelle exactement? Broadmoor Heights. Donc l'entrée est sous un monument. Apparemment. Après c'était quoi pour passer le robot, je crois? C'était la mécanique? Ou un télo, je crois? Je sais plus trop. Après on pourrait passer de force. Hein. C'est pas interdit. Alors, je vais voir un peu. Ça, je sais pas où c'est, ça m'embête, ça. Ça, je sais pas où c'est. Alerte radioactive, truc rien pour travailler au garage au QG des Rangers, enquête de voisinage. Ça, on pourrait le faire aussi. Oh, ouais, d'accord. Attends, seigneur de guerre, c'est niveau 11. Trouver une trappe dissimulée sur une statue à Brunei. Elle mènera une prison secrète. On peut faire un tour, quoi. Sous une statue dans l'église? M'étonnerait quand même. Ah, sous une statue, genre dans le QG, dans le palais? Chercher à remarquer les plaques, une trappe habilement dissimulée. Oh, trappe s'ouvre et un conduit vertical, une échelle qui descend. Descend de l'échelle. Ok, let's go. Let's go. C'est niveau 11, on est niveau 8, je crois. On va se faire défoncer. Mais bon, après, si c'est un mec qu'on peut récupérer, apparemment, c'est un mec avec un fusil à pompe sur le bras gauche. C'est Barrett.
bunker de vieux survivalistes. Ça a été construit, mais ça paraît pas que ça marche. Ouais. Alors attends, libérer le prisonnier. Ouais, alors libérer le prisonnier, hein, ça va possiblement mal se passer, mais bon. Après. Hydro crew. I still think it needs some work. We're badass mercenaries. We're stationed in the hydroponics bay. What about this name doesn't fit? Lived in this city my whole life. Never knew this was here. As long as we agree, Mole Mercs is off the table. On peut aller leur parler. Merde. Alors, vous trouvez une porte secrète dans une grande statue, il y a un autre accès. Nous sommes les rangers du désert, vous avez dû attendre par nous. Posons les questions. Où est Cordite, le cuirassé? Qu'est-ce que ça va vous coûter? Ça nous coûter pour que vous fermiez les yeux. $400, c'est ridicule. Divisé par deux, nous pourrons faire affaire. Fucking cheapskates. On aurait dû combattre. Pourquoi elle a toujours ça, elle? Oui. Oh. Oh là là. Putain d'armes et énergie. Hey, and I just cleaned my gun. Elle faudrait qu'elle se mette à couvert, mais où? Par contre, ils ont un baril, j'ai vu, mais. Normalement, le. On a fait en sorte que les robots, quand ils sont piratés, ils prennent l'aggro. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a une nausée, on sait pas où est une nausée, pour faire avec une purge. D'accord. Ça, c'est nouveau, par contre. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on peut leur balancer à la gueule. PA, merde. Lui il est mal placé aussi. C'est pas mal là. Très bien. Histoire de les brûler. Très bien. Ok. À 3 PA. Ça va pas être simple, lui il est mal mis. Peut-être un peu mieux là. That's the target.
Bof. Pas super efficace. Il va prendre feu là, non? Non, j'ai pas le choix. Là, les trois sont ensemble. Intéressant. De merde, elle aussi. Putain. Là, si je la mets là, elle va se faire défoncer. On aurait dû peut-être se soigner à la place. Ah là là. Puis il y a cette merde là juste à côté de nous, c'est bien. Ouh, elle pourrait faire très mal. Ouais, vite fait quoi. Ça c'est con que le truc il est juste à côté de nous, on va pas le toucher quoi. Ouais, pas énormément quoi. Là on risque de lui faire mal. Ok, on risque de le détruire aussi, ça marche. Ok. Oh, il se soigne. Ok. Très bien. Très très bien. Ok, on va baisser un peu plus leur... Ouais, non mais attends. Lui là qui fait chier. Après on pourrait... On pourrait le... Je pourrais encore aller le... Le faire, le piratage? Ouais, bof, on va peut-être pas le faire. 52%, 53%.
On va faire péter le... Quoique non, il y a la bestiole juste à côté. Oh là là, quel placement de merde. Oh là là, ça me rend fou. Quasiment aucun dégât, c'est ouf. C'est pas mal. Ah, ça y va les grenades. Alors maintenant. Oh, on l'a pas tué. Merde. La jambe pour le faire saigner. Il a combien de vie? Ouais, il a beaucoup de vie. On va faire la jambe pour le faire saigner. Ou alors lui, peut-être. Parce que l'autre, il a déjà le feu. À la limite, on peut faire saigner lui avec de la chance. Ah, ça a pas marché. Il a failli faire péter le truc en plus. Merde. Ah, je vais pas pouvoir la soigner là. C'est vrai que je fais pas attention à ça en fait. Moins 71%, hein. Tu m'étonnes. On va tester un truc, hein. Oh! J'ai récupéré 5 points! Okay. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça servait à rien. Non, c'était très con. Wasn't worth it.
Très bien. On a touché un peu tout le monde, mais on a tué. Oh là là, c'est très très mauvais ce combat. Très très mauvais ce combat. Toi, tu vas mourir. Non, j'aurais pas assez de PA. Ah, ça me gave, hein. Ça me gave. On va en finir parce que là... Oh la vache. Au lance-flammes. Ok, 4 d'armure maintenant, c'est bien. On va y arriver, on y arrive, hein, mais c'est juste que c'est très très mauvais comme combat. Honnêtement, autant y aller. Non, ça c'est fait. De portée, ça marche. Marquage. Ah, il m'a marqué. C'est con, hein. T'es vraiment mal tombé, en fait. 70%. Ouais. Eh ben, putain. Arme laser de niveau 1. Science étrange. Secours. Message avec une écriture d'adolescent. Pas de chose que ce soit parlé. Maintenant, on se revoit à mon retour. Et après, on a une mitrailleuse de l'armée. C'est du calibre 50. Ça marche. Ouais, c'était un peu catastrophique, mais bon. Coup de supplémentaire. Portée du lancer. Ce prochain salut. Contorsionniste. Ah, ils ont été modifiés par la mutation, c'est ce qui était arrivé. Donc lui, il a la portée de lancer qui a augmenté. Lui, là, sac de chair.
Ah, il a un implant dégoûtant mais étonnamment pratique. Il a un emplacement rapide de plus. Et elle, elle a de la nausée. Donc elle, elle a des trucs négatifs. Non mais les autres, ils ont muté quoi. Ils ont des mutations. Il a un coup de supplémentaire. Et elle, on peut pas voir parce qu'elle est à terre. C'est vraiment... Ok, c'est sympa. Donc on pourrait rester dans les... Dans les... les radios... le radioactif et voir un peu ce que ça nous donne. J'imagine. Elle, on va pas utiliser d'objets. J'espère qu'on va pas devoir... Attends, on va faire une belle sauvegarde parce que je... J'ai un peu peur, là. On va mettre là. On va voir... j'ai pas envie de gaspiller un objet en fait. Mais si jamais on doit combattre, on a besoin d'elle. Donc voilà, mais on va voir. Always heard the people... Ah, merde, je l'ai coupé. Désactiver l'alarme. Oh merde. C'était pas prévu, j'ai pas vu. Désolé, on va... j'ai pas vu que c'était alarme. J'ai cru que c'était crochetage et... par habitude, j'ai juste cliqué dessus en fait. Même si c'était rouge, je clique dessus la plupart du temps pour voir ce qui se passe. J'ai pas vu que c'était alarme. Désolé, désolé. Oh, merde. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va aller soigner, je crois. Est-ce qu'on peut genre sortir et re-rentrer? Ça fait un peu pute, mais... on n'est pas censé la faire cette mission. On est un peu trop, trop bas niveau. Donc autant aller se soigner. J'ai envie de dire. Ça va, les gens s'en foutent, c'est bien. Centre-ville. On peut pas aller directement au QG, non on peut pas. Par contre moi je pense que je vais aller voir entre temps. Où est-ce qu'il faut aller pour les réfugiés, parce que ça nous permettra d'avoir quelqu'un pour le garage et ça nous permettra d'avancer dans d'autres quêtes en fait du coup parce que c'est des quêtes de début, je crois que c'est les niveaux 4 la quête, donc je voudrais bien finir ça. Bon là on est parti sur une quête de haut niveau, c'est un peu con mais bon. C'est un peu con. Par contre, les grenades. Ouais. On a les cocktails. Grenades. Ouais, du coup, toi, t'as une. Il faut enlever la nausée aussi. Tiens, attribut. C'est bête qu'on voit pas les mutations. Qu'on voit pas ça. Par contre, si on a une mutation bénéfique et enfin un bonus et un malus, du coup, si on utilise un objet pour l'enlever, ça enlève les deux ou pas? Parce que ça, c'est un peu à double tranchant, ce serait cool. Vas-y, go soigner. Donc il faut lui enlever la nausée à l'une. J'aime beaucoup, c'est marrant pour le moment, c'est sympathique la façon dont on fait les choses, c'est drôle.
Je trouve ça cool. On va un peu à droite, à gauche et tout. Plein de trucs à faire. If it ain't cut, don't stitch it. Ok, parfait. Alors. Alors lui, il a plus de lancers, c'est bien. Elle, elle a rien. Lui, il a rien. Elle, elle a de la nausée, donc il faut une purge. Lui, il a eu un sac de cherche dégueulasse, dégoûtant, mais étonnamment pratique. Donc il a, on peut mettre un objet de plus. Elle, elle a rien eu non plus. Ça marche. Lui, j'aimerais bien lui mettre une tourelle. Ouais, non, on peut pas utiliser tourelle encore. Enfin, bref. Donc la nausée, Thunder, elle a la nausée. Point d'action moins 1. Alors, une purge. Fabrication, munitions, soins. Suture. Déployable, utilisable, trou de réparation, armure. Merde. Bah, on peut pas. Le brindier de Troy, tiens. Fais voir si on en a sur nom. C'est quoi les soins, ça? Grenade cryogénique. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça aussi. Trousse de secours. Claire et nette. Sert à supprimer les effets sévères de drogue. Ah, je crois qu'on avait des objets qui enlevaient. Ah putain, les midi-fléchettes, c'est vrai que. Je crois qu'on a des objets qui enlèvent les radiations. Je l'ai lu, non? C'est un leurre. Focus. Ah merde alors. Auto-assembleur découpeur en D. Des points découpeur de dé reposé qui vous aidera au combat. Ça, c'est ça aussi, c'est bien. La placement. Putain, j'étais sûr d'avoir lu un truc comme ça. Retire drogue, retire blessure. Ah, c'était peut-être dans le magasin en fait. Toi, est-ce que t'as pas ça en vente? What do you need, Rangers? Sure. Empoisonnement. Hémorragie, ouais. Retire blessure, ouais. Non, mon nain, c'est mort. C'était au magasin peut-être, ou alors c'était à l'extérieur, peut-être c'est sur la carte du monde avec OK. Merci de nous avoir aidé. After what you did for me, it's a pleasure. Never been happier to follow an order. C'était peut-être le magasin qui était à l'extérieur sur la map monde, je pense. Putain, ça aussi c'est pas mal. Je crois que c'était ça l'objet. Bon, c'est pas grave, on peut pas l'enlever. C'est un point d'action en moins. Un point d'action en moins, du coup. Ça me fait un peu chier. Encore une fois, on a. Colorado, non. Après, j'ai envie de dire, on a eu de la chance parce qu'on a eu deux positifs et un négatif. Donc, bon. Ça va, quoi. Après, je sais pas si on peut avoir beaucoup de positifs. Je sais pas pourquoi, apparemment, j'avais enlevé l'équipe. C'est bon, ils arrivent. Ouais, je sais pas si on peut avoir plusieurs positifs, plusieurs négatifs et tout ça. On est reparti. On va bel et bien finir cette mission. Et peut-être, du coup, avoir un mec qui est extrêmement bon. Ça nous changera de la femme, la cow-boy. Ça nous changera d'elle. Oh, elle a pas d'animaux. Merde. Aïe aïe aïe.
Ah oui, du coup, quand elle meurt, l'animal, il retourne à la ferme ou pas? C'est une question, ça aussi, qui mérite réponse. Je crois qu'il y a des animaux qui traînent. Je suis pas sûr. Je voudrais bien récupérer un animal avant de combattre. Putain, il y a... Il y a tout qui part en couille. Je suis sûr d'avoir vu un animal quelque part. Chat. On est allé dans le parc? Probabilité de coup critique. Voilà. Très bien. LB. Ah oui, oui, on est allé dans. She's old enough to be his grandmother. Love's love. And a lavish inheritance is a lavish inheritance. Dorsey's done tore through here and gutted the house. Ça marche. Faites pas attention au passage, hein, les mecs. Faites vraiment pas attention à ça. T'es reparti.